C'est une tradition venue du fond des âges et dont chaque génération hérite fièrement. Des prières et des mélodies restées inchangées depuis des siècles. Ils étaient plus de 300 confrères et consœurs des hameaux de Brando à déambuler ce matin dans la commune pour honorer la tradition de la tcherque. Un parcours ponctué de haltes dans chacune des 11 églises et chapelles du village, alternant prières et polyphonie. Comme chaque année, les quatre confréries effectuent le même circuit, empruntent les mêmes sentiers mais sans jamais se croiser ni se rejoindre. Dans le cortège, outre les prieurs et les femmes, beaucoup d'enfants, car si la tradition est perpétuée depuis des siècles, c'est parce qu'elle se transmet dès le plus jeune âge. Les jeunes ici, en fait, beaucoup grandissent dans ces traditions. Tout petits déjà, ils accompagnent leurs parents dans les processions. Et c'est quelque chose qui finalement après reste très ancré dans le cœur de tous les gens de Brando. Selon la tradition, les femmes, vêtues d'une jupe bleue nuit recouvrant leurs habits, sont à l'arrière de la procession, une pratique qui n'a pas évolué avec les années. Leurs chants répondent à ceux des hommes. On représente la Vierge Marie, oui, sur le chemin de croix. On est une des rares communes, je pense, dans le Cap du moins, à continuer à faire la procession pour Pâques. Donc voilà, on veille à maintenir vraiment le respect des traditions. Ce soir, les maisons et ruelles seront éclairées à la bougie. Puis les confrères des autres villages viendront à leur tour se recueillir.